Bonjour. Après quelque temps, je continue la lecture et l'interprétation des pièces de musique et des exercices de ma méthode pour la flûte à bec soprano. On est à la page 23 et la pièce est le numéro 101, Barcarolle. C'est une pièce que j'ai écrite, assez simple mais jolie. Il y a 3 temps à chaque mesure, je compte jusqu'à 2 parce que le 3e temps est occupé par une note. 1, 2. Là, je prenais le souffle chaque 4 mesures, avant la dernière note de chaque 4 mesures, comme c'est marqué dans le livre, mais on peut le prendre aussi chaque 2 mesures, avant la dernière note. Donc, mi, la, do, si, mi, si, ré, do, mi, do, mi, si, ré, do, etc. Parce que enfin, c'est pas facile de faire 24 tempos avec un souffle, ou 12 tempos avec un souffle. C'est plus facile d'en faire 6. Ce joli morceau est un merveilleux exercice pour jouer legato. Essayez de le jouer totalement legato, si possible, en un seul souffle. Notez qu'il est écrit dans la gamme pentatonique. La, si, ré, mi, sol. Sol, la, si, ré, mi, peut-être. Et nous voilà, je le joue la première fois avec le coup de langue et la deuxième fois, legato. 1, 2, 3. Pas facile le legato parce qu'il faut une parfaite coordination des mouvements des doigts, sinon par exemple mesure 5 il y aurait des bruits, des passages qui sont des notes qu'on ne veut pas ou qui n'existent pas, et aussi la mesure 6. Aller du mi aussi, mais aller du si au mi, c'est assez difficile. Il faut aider aussi avec le souffle. Mais bon, c'est pour commencer. Le legato, c'est une chose qu'on va faire toute la vie. Les hymnes grégoriens étaient écrits dans 100 barres de mesure et toutes les notes étaient normalement de la même longueur. Seule la dernière note de chaque phrase était plus longue, mais il n'avait pas de longueur spécifique. Dans cette transcription, j'ai fait en sorte que ces notes finales aient une longueur de 2 temps, 2 fois plus longue que les autres. Mais c'est juste pour écrire, hein. Elle pourrait être plus longue que ça, moins longue que ça. Et donc, chaque syllabe, normalement, chaque syllabe avait une note. Eternare rum co. Mais par exemple, avec con, Conditor. Il y avait 2 syllabes, 2 notes pour syllabe, 2 notes pour syllabe. C'est une musique très ancienne. Je dis 1, 2 avant de commencer, mais il n'y a pas de rythme. Il n'y a pas de mesure. 1, 2. C'est pas facile le grégorien. Là, c'est encore plus ancien, ambrosien. La 104, c'est une danse, écrite par moi. Je compte jusqu'à 2. 1, 2. Et le 105, une chanson de Grande-Bretagne, My Soul, c'est mon âme, arc, je ne sais pas ce que ça veut dire. 105. 1, 2. Un des avantages de YouTube, où je mets ces vidéos, c'est qu'on peut poser des questions. On peut des questions et moi je peux répondre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre comme commentaire. Sinon, vous pouvez m'écrire directement à l'adresse email qui est dans la description du YouTube channel. Au clair de la lune, ah, c'est drôle. Mais quand j'étais professeur de musique à la petite école française de Turin, les élèves me demandaient, auraient voulu apprendre avec la flûte au clair de la lune. Et moi, j'étais ignorant au point de vue des chansons d'enfants en français. Je pensais qu'ils parlaient de clair de la lune de Beethoven. Je disais, bon, enfin, c'est pas très juste, pas très facile pour des enfants. Mais eux, ils pensaient, au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume, je vais écrire un mot, je crois. La chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Je me souviens encore leur voix. Vous voulez apprendre au clair de la lune. 1, 2. Très joli. Enfin, moi, je l'aime bien. 107, Pleading Savior. Le sauveur, je crois que c'est. En priant, peut-être, le sauveur. C'est une musique pentatonique. Elle n'a pas de Do et elle n'a pas de Fa. Donc, elle a 5 notes sur 7. 1, 2, 3, 4. Très joli. 108, je l'aime beaucoup. 108, c'est une chanson du Moyen-Âge français, 12e siècle. C'est un motet, si je ne me trompe pas, quelqu'un chantait cette mélodie tandis que quelqu'un chantait une mélodie sacrée. Ec dies cum fecit Dominus. Il est ternaire, c'est une chanson d'amour peut-être, cette partie-là. 1, 2, 3. Et la dernière note, j'ai bougé un doigt et elle a changé de ton. Ouais. 109, c'est une chanson russe. Je ne connaissais pas la traduction du titre, mais quelqu'un sur YouTube m'a dit que la traduction est « Il était une fois une chèvre grise avec ma grand-mère ». Elle est aussi en 3, mais un peu plus vivace. 1, 2, 3. Là, le 110, il s'agit d'une version différente. Oh, que bel castello! Celle-ci est Il mio bel castello, dandandaro di rondello, il mio bel castello, di rondino, di rondo. C'est une chose que vous chantez avec les enfants qui dansent en cercle, qui tombent par terre, enfin. Assez joli. Je vais dire 1, 2, 1. Pour partir, parce que si je dis seulement 1, on ne sait pas quel est le tempo. 1, 2, 1. Très bien. Je crois qu'on a terminé. À la prochaine. Au revoir.